Salut, zami mwen. Jodi a, nan numéro 292, nan rubrique nouan, ma Bible, mon trésor, nous sommes toujours dans notre réflexion concernant l'amour de Dieu. Nan yon tentative pour faire chrétien yo comprendre l'amour infini de Dieu, l'apôtre Paul, nan Ephésiens 3, verset 18, donne à l'amour de Dieu des dimensions. L'apôtre parle de la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu. Qui t'aime rappeler que agapé est le terme grec utilisé par les chrétiens dans la Bible pour décrire l'amour inconditionnel de Dieu envers les hommes. Mot agapé a traduit un sentiment d'attachement bienveillant, profond, fidèle, gracieux, immérité, qui se manifeste par une nature morale et une force de caractère. C'est un amour démonstratif. Et une plus grande manifestation de l'amour de Dieu envers les hommes, le Seigneur Jésus t'ébanouli à la croix. Sur ce bois infâme, réservé aux abominables, le Dieu d'amour a déchargé sur son Fils unique Jésus-Christ nos fautes ainsi que leurs conséquences. Et il nous a rendu la vie avec Christ, d'une façon parfaitement libre et dans sa souveraineté. Dieu nous offre gratuitement son amour. Li pat doué nous ça et nous pat mérité ça. Et c'est justement là nous capables comprendre la dimension de la hauteur de l'amour de Dieu. L'apôtre Paul t'a aimé nous expérimenter également la profondeur de l'amour de Dieu. La profondeur de l'amour de Dieu a rapport au pardon de Dieu. Comprenez ça bien. Nous étions destinés à la colère. Nous étions condamnés. Heureusement, Dieu, dans sa richesse infinie, il nous a pardonnés en son Fils Jésus-Christ. L'amour de Dieu est tellement profond. Là où le péché a abondé, l'amour et la grâce de Dieu ont surabondé. Tendez ça bien, zami mouen. Il n'y a pas de péché, de faute qui ne soit pardonnable par Dieu pour celui qui vient à lui. Quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Ou te mette après toute qualité péché que vous faites, ou additionnez, ou multipliez. L'amour et le pardon de Dieu demeurent encore et toujours plus grand que le poids de vos péchés. L'amour de Dieu a descendu dans les profondeurs de notre misère, de notre esclavage, de notre condamnation. Et cet amour nous a rendus libres. Il nous a transformés. Et Dieu lui-même, en Ésaïe chapitre 1er verset 18, crie « Si vos péchés sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. » Ésaïe 55 verset 7 « Que le coupable revienne à l'Éternel, qui aura compassion de lui, à notre Dieu, qui ne lasse pas de pardonner. » M'espérez que vous compreniez bien que l'amour de Dieu est illimité, li pa gen limite. Et dimension sa ou nou tante bay à l'amour de Dieu, ce sont des dimensions qui vont jusqu'à l'infini. Réellement vrai, bon Dieu remè ou. Même si ou ta gagné toute qualité richesse matérielle sous la terre, et ou ta tante bay yo pou capable sauver nanmou, bon Dieu ta méprisé ou avec toute richesse sa yo. Mais, ou connaît, Dieu vous offre gratuitement le salut éternel. 1 Corinthiens 6, verset 20 dit nous, le Seigneur nous a rachetés à un grand prix. Dieu nous a rachetés et nous a enrichis par son amour. Tendez bien, l'amour de Dieu est tellement large, il offre le salut à tous les hommes. Dieu, dans la longueur de son amour pour nous, il nous aime de toute éternité et pour toujours. Et la hauteur de l'amour de Dieu pour nous, il nous offre tout gratuitement. Et dans la profondeur de son amour pour nous, il est descendu dans les noisseurs de nos misères pour nous sauver et nous amener à la lumière éternelle. Zami mouen, voyez quel amour que le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu.
et nous le sommes bien. Nous prions en grâce. Restez dans cet amour. Vivez cet amour. Qu'il en soit ainsi pour vous. À la prochaine.